السلام عليكم الزرفلاون بونجور. Si la honte, si la honte était mortelle, nous aurions assisté à une hécatombe au sein de la justice algérienne. Mais encore, encore faudrait-il l'éprouver, cette honte, la ressentir, en rougir. La honte n'est pas donnée à tout le monde. Or, pour ces innombrables magistrats, cette foule de magistrats, ce cap de la honte est passé depuis belle lurette. Et comment? Leur conscience ne les torture plus, ces innombrables magistrats, qui ne cachent plus qu'ils fonctionnent à l'injonction, qu'ils ne rendent pas la justice, mais qu'ils la tordent en fonction de ce qui leur est demandé par ceux qui savent fermer l'œil et le bon sur leur petit et grand trafic, sur l'usage vénal qu'ils font de leurs prérogatives. Ces magistrats sont comme des poissons dans l'eau, dans une société dont l'échelle des valeurs a été inversée, où le corrompu a pignon sur rue, où la scélératesse est érigée en vertu cardinale. Et la justice algérienne semble ne plus connaître de limites ni à ses pratiques ignobles, ni au mépris dans lequel elle tient le peuple algérien, au nom duquel elle rend toutefois ce qu'elle qualifie de justice. Cette institution rend la justice au nom du peuple algérien. Et c'est ce même peuple algérien qu'elle méprise et qu'elle broie. Elle ne recule devant rien pour fracasser la vie de fragiles et faibles citoyens, dans le même temps qu'elle use de moyens haïssables, odieux, pour blanchir les puissants criminels qu'elle devrait juger plutôt, pour des forfaits autrement plus gravissimes. Et devant quiconque tenterait de demander des explications sur ces curieuses dispositions à jeter de malheureux innocents en prison et à laver les puissants criminels de leurs crimes, elle érige un rempart infranchissable, insurmontable, fait d'arguties et de chicanes juridiques, comme le fameux arrêt de renvoi de la chambre d'accusation dans l'affaire Khalifa, où on a vu de malheureux lampistes condamnés à de lourdes peines de prison, pendant que des ministres, des généraux, des parents de Bouteflika et le secrétaire général de l'UJTA ne pas être inquiétés de la moindre manière, juste parce qu'ils ne figuraient pas sur ce fameux arrêt de renvoi. Le moment doit venir pour les Algériens de parler de leur justice, l'une des institutions parmi les plus corrompues et les plus amorales du pays. Et parmi les gens qui appelleront à ce débat salvateur, les juges intègres, parce qu'il y en a, doivent être au premier rang. Le moment est venu pour ceux, les rares, qui ont su préserver leur honneur de se démarquer des ripoux qui y officient, qui y servent le mal et le mensonge, qui y grouillent, et qui reçoivent comme récompense insigne de leur dignité, de leur indignité, quel lapsus, les miettes tombées de la table de leur maître. Cette semaine, Al-Rouat vient de se perpétrer une autre forfaiture contre la justice, contre le peuple, contre les droits les plus inaliénables des justiciables qui croupissent dans les geôles du régime. Des parents d'accusés et des témoins ont été empêchés d'accéder à la salle d'audience, alors qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune irrégularité, ni menacés de la plus petite façon la quiétude des lieux. Ils ont été empêchés d'assister à l'audience pour la seule raison qu'ils ont des liens de parenté avec les accusés ou d'avoir assisté aux faits pour lesquels ceux-ci ont été incarcérés. Ulcérés par cette attitude méprisante et par d'autres violations, le collectif des avocats de la défense a dénoncé des conditions d'un procès non équitable. Il s'est retiré de l'audience et a refusé de plaider. Le procès a été renvoyé à une autre date, bien sûr, tout simplement. Les magistrats on en vu d'autres, ça ne leur coûte rien de laisser les détenus végéter quelques jours de plus en prison. De leur côté,
les forces dites de l'ordre ont interpellé de façon brutale plusieurs personnes présentes sur les lieux juste parce qu'elles se sont exprimées, parce qu'elles ont exprimé leur indignation de façon pacifique et civilisée. En attendant, des innocents continuent de croupir en prison. Ceux de droite ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le journaliste Abdsami Abdelhi à Tebessa est désormais oublié, y compris de ses propres confrères, parce que celui qui a ordonné qu'il soit jeté aux oubliettes est le baron le plus puissant du régime. Rachid Aouine, militant et défenseur des droits de l'homme, a été condamné à 6 mois de prison pour incitation à attroupement. Et un grand nombre de personnes sont entassées dans les geôles du régime pendant que les criminels de très haut vol et ceux qui dévastent le pays téléphonent aux mêmes magistrats pour leur dicter leur conduite et leur verdict. Aujourd'hui, Al-Watan, l'Aghwat, le collectif d'avocats se retire de l'audience par Mehdi Sikri, le matin des aides. L'Aghwat, encore la répression, rien que la répression, par Majid Sarrah. All Huffington Post. Le militant Rachid Aouine, condamné à 6 mois de prison ferme. La LAD dénonce un délit d'opinion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Ahmine Nordin, avocat des accusés de l'Aghwat et néanmoins défenseur des droits de l'homme, militant des droits de l'homme à l'Aghwat, et Sofiane Benagila, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme de l'Aghwat. Maître Ahmine Nordin, merci d'être avec nous. Maître Ahmine, est-ce que Maître Ahmine Nordin est avec nous? Un petit incident technique. Nous allons revenir à Maître Ahmine dans un petit moment. Sofiane Benagila, merci d'être avec nous. Sofiane Benagila, il semble qu'il y ait un souci de son. Allô? Sofiane Benagila, nous vous écoutons. Merci d'être avec nous, Sofiane Benagila. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette audience? Pourquoi le collectif s'est donc retiré, a refusé de plaider dans des circonstances, semble-t-il, anormales? Oui, des circonstances anormales, à la limite, inédites et réelles, parce que déjà que les types se sont fait arrêter de façon illégale, et ils allaient être jugés de façon illégale, donc... Qu'est-ce que vous entendez par illégal, jugé de façon illégale? Eh bien, sans témoin, sans rien, à huis clos. À huis clos, alors que ce n'est pas un procès à huis clos, qu'on le précise bien. Hein. Exactement. Et en plus, d'après les avocats, c'était exactement les juges avaient exactement les mêmes... C'est-à-dire qu'ils reprenaient exactement ce qui a été dit par la police. Et c'était ça, les chefs d'inculpation. Ils ne reconnaissaient pas, c'est-à-dire c'était un ordonnancement direct. Mais pourquoi ont-ils refusé au peuple d'accéder à la salle d'audience, puisque la justice se rend au nom du peuple? C'est la grande question. Pourquoi? C'est inédit et c'est irréel. On ne comprend pas un truc comme ça. Ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un truc comme ça? On ne comprend pas, parce que les gens qui ont été arrêtés à l'extérieur, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils manifestaient ou quoi que ce soit. Les gens étaient debout, ils discutaient, il y en a qui étaient assis à prendre un café et tout, et puis hop, on a commencé à ramasser les gens. C'était sans sommation, sans rien du tout, on ne pouvait pas sommer à des gens qui prenaient des cafés ou qui étaient tout simplement debout de déguerpir pour aucune raison. Il n'y avait même pas d'attroupement.
On nous a rapporté qu'il y avait même des gens venus d'Alger pour assister au procès qui n'ont pas été admis à rentrer. Ils se tenaient en dehors du palais de justice La police est allée vers eux pour les arrêter. Il y a Hamid Farhi du MDS qui a été arrêté. Il était lui aussi, il était sur le banc public parce qu'il n'était pas résident à la Guadeloupe, donc il n'avait rien à faire dans le coin. Voilà. Ça devient une manie. À Ain Salah, on expulse des gens parce qu'ils ne sont pas de Ain Salah. À Rouat, on arrête des gens parce qu'ils ne sont pas de Rouat. Mais restez avec nous, Sian Benajila. Nous allons recevoir Maître Ahmin. Merci d'être avec nous, Maître Ahmin Nordin. Maître merci Ahmin. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrebia. Merci, Sian Nordin. Dites-moi... Nordin Ahmed, qu'est-ce que c'est que ces façons, que cette justice qui interdit au peuple d'accéder à la salle d'audience alors que la justice est rendue au nom du peuple? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une contradiction avec les procès qui doivent être publics. C'est la loi, c'est plus précisément c'est l'article 342. Du code de procédure pénale qui me renvoie à l'article 285 et 286 du même code qui parle justement de que les audiences doivent être publiques d'une manière générale, exceptionnellement bien sûr quand il y a des exceptions à ça, mais on n'était pas dans le cadre de l'exception mais de la règle générale que les audiences doivent être publiques. Et malheureusement, on assiste ces derniers temps, non seulement à Rouat, même ailleurs. Et je crois que c'est apparemment une instruction qui est donnée au moins à certaines wilayas, telles que Kelwad, Rouat, probablement Alger. Parce qu'on a assisté au même scénario et à la même situation au niveau des Kelwad, à l'occasion du procès d'Arachid Aouine et de Brahim Abdelhamid. C'était ça, même. Le collectif d'avocats au niveau des lois a menacé justement de se retirer si l'audience continue à être la salle à être vide. On a rectifié le tir. Finalement, ils ont laissé les citoyens rentrer à la salle d'audience et c'est comme ça que l'audience a continué. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Maître Ahmin, normalement. Oui. Le huis clos qui est prévu par la loi, il est régi par des dispositions très claires et par rapport à des cas précis. Aucun magistrat n'a le droit de décider de la tenue d'un huis clos pour un procès public. C'est anticonstitutionnel, ça ne peut pas être. D'abord, le huis clos, il faut que ça soit décidé par le président, clairement, c'est une décision déjà. Ce n'est pas une situation de fait. Oui. Une décision du président après avoir consulté les partis, c'est-à-dire le parquet et la défense, sur la nécessité de tenir un procès à huis clos. Ce n'est pas le cas. Exactement. Et bien sûr, le huis clos, c'est quand il y a des affaires de chômeurs, des affaires, je ne sais pas. Qui vraiment risque. De mineurs concernant des mineurs, concernant des affaires de mœurs. Pardon ? Maître Ahmed ? Oui. Maître Ahmed, je voulais vous demander. Généralement en plus de cette affaire, dans les palais de justice, dans les tribunaux, généralement, le peuple n'est là que pour la galerie. Ils n'écoutent pas ce que disent les partis, ce que dit le juge. Il y a les micros qui sont prévus, ne fonctionnent presque jamais. Et le peuple est vraiment partie négligeable. Pourquoi ce mépris pour ce peuple au nom duquel on rend la justice? Exactement. Il y a ce mépris à commencer par le sommet de l'État. Quand on a un président qui est malade, c'est clair, c'est un secret de polichinelle. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, tout à fait. Ça fait 3 ans, un président qui ne s'adresse pas à son peuple. Et pourtant,
de la Constitution, c'est bien que le pouvoir découle du peuple. Donc, le mépris commence à partir de là. C'est le système, finalement, qui a voulu que le peuple soit vraiment une quantité négligeable. Et c'est comme ça, jusqu'à cette échelle de cette chaîne de commandement. Voilà, donc même la justice, malheureusement, elle fonctionne dans cet aspect d'esprit. C'est vrai, c'est le mépris total. C'est le mépris total du peuple. C'est une, comme je l'ai dit, une quantité négligeable. C'est-à-dire, on n'est pas élevé au stade de la citoyenneté. Justement, on lutte pour ça, pour la citoyenneté de l'Algérien, pour un état de droit. Voilà, parce qu'on est tellement maintenant éloigné d'un état de droit qu'on assiste à ce genre de pratique. Restez avec nous, maître Ahmed. Soufiane Benajila, vous ne pensez pas que le moment est venu pour que la société civile, les intellectuels, y compris les magistrats intègres, les avocats, le Conseil de l'Ordre, vous ne pensez pas que le moment est venu de dénoncer ces pratiques honteuses de la part de magistrats qui se comportent de façon vraiment méprisable, j'allais dire? Si on doit se rendre à l'évidence que devant une situation pareille, on n'a plus de loi, le citoyen n'est plus protégé. Donc le système judiciaire qui devait répondre à sa fonction première d'assurer un état de droit ne le fait plus. Donc à ce moment-là, il y a des questions sérieuses à se poser. Effectivement, ça ne peut plus fonctionner comme ça, ce n'est pas possible. Et ça ne fait qu'augmenter. Et rien ne dit que ça va s'améliorer les jours à venir. Parce que la situation qui a été vécue actuellement, hier, c'est quasiment inédit. Et demain, on ne sait pas ce que va nous réserver demain. Mais Soufiane Benajila, vous qui êtes représentant militant des droits de l'homme, personne n'ignore en Algérie que la justice est une institution très corrompue, pour le moins qu'on puisse dire, je reste gentil, ou une justice qui ne poursuit pas les grands criminels, qui volent des milliards de dollars, qui tuent des gens, qui se comportent de façon absolument moyenâgeuse, j'allais dire, et de l'autre, des milliers de gens, des pauvres malheureux qui sont jetés en prison pour un rien, qui croupissent dans les prisons dans des conditions vraiment calamiteuses, on va accepter cela encore longtemps? On va rester comme ça, juste à dénoncer d'une façon, j'allais dire, empoulée, juste comme ça? Et là, ce que vous venez de dire, c'est que non seulement elle ne défend pas le citoyen, mais en plus qu'elle est instrumentalisée. Et c'est en fait, c'est le cas. Et du coup, les gens ne se sentent plus à l'abri. Et les règles du jeu sont faussées et de façon grave. Et ça peut pas, on peut pas, ça remet en cause tout un contrat social, tout un fondement de la société, de la République. On est sorti des critères, disons conventionnels, si on veut. C'est trop. Parce que imaginez, que doit-on faire quand il y a des gens quand on a des gens qui sont en justice, qu'on doit attendre un jugement ou qu'on doit assister à un jugement, que doit faire le citoyen dorénavant? C'est ça la question qu'on se pose. Eh ben, c'est la question que nous posons à vous aussi, militant des droits de l'homme. On va y aller, on va aussi se faire ramasser. Qu'est-ce qu'on aurait pu nous garder pour un an, nous aussi, hein, etc. C'est pas un problème. Restez avec nous, Soufiane Benajila. Maître Ahmin, pourquoi le Conseil, l'Ordre des avocats, on dit bien l'Ordre des avocats, corrigez-moi, Maître Ahmin. L'Ordre des avocats, c'est des organisations régionales de l'Ordre des avocats, et puis il y a l'Union des organisations, c'est au niveau national. D'accord. Alors pourquoi cette organisation, cette corporation des avocats, des défenseurs des droits des accusés, est-elle aussi silencieuse sur de tels dépassements? Et en plus, ce ne sont pas des dépassements isolés.
Ces dépassements sont systémiques. Ils procèdent de la nature même de la justice, qui en fait n'est là que pour rendre l'injustice, pour broyer les malheureux, les innocents, les gens désarmés, et pour couvrir les crimes des puissants. Et les avocats dans tout ça. Oui, je suis encore une fois d'accord avec vous, surtout en consultant l'article 2 de la loi régissant la profession d'avocat, qui stipule ceci. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt, écoutez bien ça, concourt à l'œuvre de justice et au respect du principe de la primauté du droit. En effet, normalement, les avocats et la profession d'avocat jouent un rôle déterminant. C'est la raison pour laquelle la responsabilité, finalement, elle n'est pas celle des juges uniquement. Mais même nous, ça nous incombe une grande responsabilité, nous, en tant qu'avocats, une grande responsabilité. Surtout, on a une marge de manœuvre très, très importante de par notre indépendance. Malheureusement, ce n'est pas ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais plus que ça. Le droit de l'homme est loin d'être pris en considération par la profession. Pire que ça, Maître Hamid, et je vous remercie de reconnaître ces faits douloureux. Pire que ça, il semble même que certaines vedettes dans votre corporation, à la tête de l'Ordre des avocats de votre organisation, font plutôt de la politique et vont faire des courbettes aux puissants de l'heure. Eh oui, c'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? C'est vrai, c'est malheureux. Comme je l'ai dit, seulement, on ne joue pas notre rôle en tant qu'avocat. On peut même, c'est l'ensemble de la profession qui est... Allô? Oui, je vous écoute, Maître Hamid, je vous écoute. L'ensemble de la profession qui est démissionnaire dans ce sens, en matière des droits de l'homme, en matière de ce genre de procès et d'affaires, c'est vrai, il n'y a pas une présence qui doit être beaucoup, beaucoup plus importante et d'art à tout contre les citoyens algériens en la matière. Il y a des poursuites quotidiennes. C'est tout ce premier trimestre 2015, il y a une vague d'interdictions. Mais Maître Hamid, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Moi, je connais personnellement des avocats de très haut vol, d'une très grande moralité. Je les connais, j'en citerai un comme ça, j'aurais dû en citer plusieurs puisque je connais plusieurs. Maître Gouesmia, par exemple, de Tebessa. Et autres, je connais des bâtonniers, des avocats de très haut vol, d'une grande intégrité, qui sont très combatifs. Pourquoi ils ne s'unissent pas, pourquoi ne s'unissent-ils pas pour dénoncer ces pratiques, j'allais dire mafieuses? Je ne sais pas, c'est une question qui se pose vraiment, moi aussi je la pose, je pose cette question. Mes confrères, justement, de ce haut niveau, de ce haut rang, c'est vrai, on a des avocats d'une très très grande qualité, et sincèrement, je veux bien qu'ils s'impliquent, parce qu'il y va du sort de l'Algérie, il y va de l'autre avenir. On va vers une catastrophe, alors je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi ce mutisme, sincèrement? Merci, Maître Hamid. Soufiane Benajila, nous arrivons à la fin de cette émission. Un dernier mot, si vous voulez. Bon, juste que ce qui est en train d'arriver, comment c'est en train d'évoluer, ça fait peur. On va directement à la catastrophe comme ça, parce que il n'y a pas d'issue, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas d'amélioration, on ne voit rien. Il y a un seul schéma qui est imposé. On ne peut pas museler à ce point-là toute une population et continuer à faire fonctionner un pays. Ce n'est pas possible. Il y a un mot qu'on dit en berbère, Ogir, Ogif, debout, debout les morts. Voilà, Soufiane Benajila, merci beaucoup. Maître Hamid, merci beaucoup. En espérant vous revoir tous deux lors des prochaines émissions. Salam alaikum, qawala khair, salam alaikum.